Everyone and welcome to the Urdu Training Centre. Here we are back again. We have a big day for you live on PSG TV today. We've got press conferences coming up with coach Thomas Tuchel and right back Colin Dagba, and then later today at uh, 1600, 4 p.m. local time here, we'll have the first 15 minutes of training live for you on PSG.fr, and all that because tomorrow it's the Coupe de France. It's back, Paris Saint-Germain traveling to Po in the southwest in the pyrenees about less than 100 kilometers from spain it's a cup match between the mm -hmm. french champions and an amateur side from the third division and uh, Ambre godion with us as always for the press conferences and the train at the training center here ombre A big day Paris Oui, bonjour Roby, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. En effet, nous sommes ici en direct du centre Uredou. On va précéder ensemble deux conférences de presse aujourd'hui, celle d'abord du coach Thomas Tourol, avant le déplacement des Parisiens, un de plus, le cinquième consécutif, mmh. cette fois du côté de Pau, pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de France. S'en suivra juste après la conférence de presse du Titi parisien, Colin Dagba. On va essayer de les recevoir tous les deux ici en entretien. On n'est pas sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'ils seront en conférence de presse euh, tous les deux. C'est un match important, huitième de finale de Coupe de France, face à une équipe de national, sur un terrain qui promet d'être difficile, une équipe. Mmh. Qui a elle aussi envie de se montrer, qui a envie de, de montrer ce qu'elle qu vaut. Les Parisiens, eux, ils restent sur 17 matchs consécutifs sans défaite. Ça marque des buts. Il y a un homme très en forme également, Neymar. Mm -hmm. Thomas Tuchel, on verra ce qu'il en dit, mais on, on peut imaginer qu'il va espérer poursuivre sur cette belle dynamique Absolument, Absolutely, there are plenty of positives, as Ombre was just saying. It's going to be against an amateur side, amateur opposition, which mm -hmm. means small stadium, difficult pitch. And I can see we are going to be joined by Colin Dagbar, straight ah. away now, who's just making his way here. That's good news for us all. <laughs> and of course, important that in these situations, Paris Saint-Germain keep doing their thing. We're ready to go. Colin Dagbar is coming, and he will be ready to join us. He'll be looking. We'll test his English, perhaps. Voilà. I've already uh, had Bonjour, a few Colin. words to Colin, but uh, Colin, come jump in here. Colin, d'ailleurs, le, le, le nouvel équipement. Bonjour. Ça va? <laughs> Bienvenue. On est en direct, hein. on va Monsieur, précéder ensemble la conférence de presse. Bah, bel, bel équipement d'ailleurs, hein. il, est, il, est, il est très beau ce maillot. Alors, on précède ensemble la conférence de presse avant le déplacement des Parisiens euh, pour le huitième de finale de Coupe de France face à Pau. Moi j'avais une première question d'abord. Colin, euh, toi tu es finalement le presque le, le, le plus ancien des titi également avec Presnel dans cet effectif on a vu que Adil chez et Tanguy Kouassi eux aussi commençaient à intégrer vraiment l'équipe professionnelle est-ce que tu as un sentiment finalement un petit peu d'endosser ce rôle de grand frère avec l'expérience que tu as dans, dans cette équipe on va dire que j'ai une petite expérience avec Presnel aussi donc euh, on aide aussi un peu, un peu les, les jeunes comme Tanguy comme Adil comme eux qui sont, qui sont là maintenant avec le groupe c'est vrai que je me sens mieux dans le groupe aussi et j'essaie de les aider le mieux possible. T'as le sentiment de faire partie des, des anciens, un petit peu maintenant, dans leurs yeux en tout cas ben, Des anciens titis on va dire. Ouais. Après, dans le groupe, j'essaie de, de faire ma place euh, au quotidien. Un ancien à 21 ans Oui. C'est un peu dur, <laughs> non Après, il y en a beaucoup qui sont partis. Donc, euh, <laughs> maintenant, les anciens, c'est 95-98, donc euh, on va dire un petit ancien. Aider les gens comme Adil, comme, comme Tanguy, Loïc, ça veut dire leur faire du, du passe-dé comme tu l'as fait en, en Coupe de France pour Adil, pour son premier but à, en, en équipe pro. C'était comment ce moment euh, On va dire d'abord, c'est au quotidien. D'abord, au quotidien, euh, les aider un peu au quotidien, à en l'entraînement, euh, un peu en dehors aussi. Après, si on peut leur faire des passes dé, c'est mieux. C'est un moment exceptionnel parce que déjà, je fais ma, ma passe décisive, donc c'est bien pour moi aussi. Et après, pour Adil, il a fait un enchaînement incroyable aussi, donc c'est mmh. très bien pour lui, pour la confiance. C'est. Ah, moi, j'avais une autre, une autre question parce que justement, toi, tu parles d'aider de, de, les, les plus jeunes à progresser, mais toi aussi, on voit que d'année en année, tu grandis, tu progresses, tu prends de l'ampleur également sur le terrain. Est-ce que tu as le sentiment qu'au quotidien, affronter des, des joueurs bah, du calibre de, de Neymar, d'entre elles, Di Maria, Di Cardi, Cavani, Mbappé, est-ce que toi, ça te fait progresser en tant que joueur, notamment dans l'exercice des un contre 1 Est-ce que tu deviens redoutable à leur contact euh, Redoutable, non, <laughs> parce que <laughs> ça reste des joueurs incroyables, toujours des, difficiles à défendre sur eux. Mais après, c'est sûr que ça nous aide au quotidien. Bah, ça m'aide personnellement pour améliorer ma défense par rapport à des joueurs de ce calibre. Mais c'est sûr qu'au quotidien, s'entraîner avec des joueurs, même défensivement, regarder un peu les déplacements, l'analyse des, 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 des interceptions, tout ça, avec les Thiago Silva, même avec Thomas, mm -hmm. au niveau de mon poste, c'est incroyable. Mais Fran honnêtement, à l'entraînement, essayer d'empêcher de, Neymar de dribbler, ça doit être un bon exercice quand même. Ah, hein c'est vraiment compliqué, hein. limite impossible. <laughs> Tu as signé encore une un prolongation, une nouvelle prolongation cette saison. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi Qu'est-ce que ça représente de, de s'inscrire dans, dans la longue durée avec ce club euh, Pour moi, ça a été tout de suite une, une marque d'attention du club. Euh, J'ai senti vraiment de la confiance par rapport à cette prolongation. J'ai okay. senti qu'ils euh, voulaient faire une aventure avec moi. Et vraiment, ça m'a ça fait du bien. Et ça me donne encore plus de, de peps pour aller travailler et aller chercher des objectifs personnels. Et d'ailleurs, je t'avais posé une question après ta prolongation et tu m'avais signifié ta fierté un petit peu de, bah de toi prolonger toi aussi ton aventure. Est-ce que tu dis Paris a envie de prolonger avec toi. Toi, comment tu te vois, comment tu te regardes dans l'avenir avec ce club Moi, dans l'avenir, j'aimerais rester le plus longtemps possible. Après, être vraiment le titulaire numéro un le plus rapidement possible, pardon. À moyen terme, à plus long terme. Après, j'ai le temps, je suis jeune, je suis patient et je sais que c'est vraiment une chance d'être au Paris Saint-Germain. Donc, euh, je vais donner le maire de moi-même pour être titulaire au Paris Saint-Germain. Très bien. Eh bien, c'est parfait. Merci. Bon, bon courage pour ce déplacement euh, à Pau. On, on, on te libère. Merci. Merci, Merci à toi. Ambre, oui. go. Oui, alors c'est parti. On va... Bah, il va falloir faire une traduction anglaise, mon cher Ambre. Absol absolument, mais il faut que je rappelle. On a vu le coach. On a vu le coach juste oui. pop his head in as well, which I think could mean that the coach is headed straight to the press conference. And he's ready. The le coach, le coach a frappé à notre porte. C'est vrai que le programme a été un petit peu bousculé. Colin Dagba est venu en premier. Le coach va donc se rendre en conférence de presse. La salle est à une petite centaine de mètres d'ici, donc mm. elle va démarrer dans quelques minutes et il viendra nous rejoindre après l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Pour un nouveau petit entretien. Voilà, Colin, ce qu'il faut retenir d'abord, ben voilà, c'est qu'il est très heureux de sa prolongation, il est très heureux de son rôle presque d'ancien, en tout cas dans le regard des, des plus jeunes. Tanguy Kouassi, Loïc Mbesso, euh, Adil Aouchiche. Donc c'est un travail au quotidien de leur transmettre, mais également d'apprendre de son côté, de ses coéquipiers dans l'équipe première. Exactly. Je pense que c'est ce que Colin a dit le plus souvent c'est que son rôle est à 21, l'un des plus jeunes joueurs dans le squad. Is that he just has to be there and try and be a good teammate, I think, to these young kids. But we'll talk more about Colin afterwards. <laughs> Here is the coach in the press conference. Coach, bonjour. Bonjour. En face de vous, une première question. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit point sur euh, l'effectif et les absences pour ce match face à Pau, s'il vous plaît C'est sûr qu'on manque euh, Juan et Marquinhos blessés. Pour Pootia, je pense c'est un peu trop tôt de recommencer encore et d'essayer encore. Et tous les autres sont disponibles. Comment abordez-vous ce match, sachant que l'équipe reste sur une superbe série d'invincibilité mmh. et que vous allez peut-être aussi devoir composer en défense avec les quelques absences Oui, et on doit, on doit réfléchir si c'est peut-être un moment aussi pour, pour changer, pour, pour continuer de jouer avec intensité parce qu'on joue. Beaucoup de matchs et tous les trois jours, c'est seulement deux deux jours entre les deux matchs. C'est maintenant cinq matchs extérieurs euh, sans pause et c'est le, le cinquième match et à extérieur. Toujours en vol, toujours tous les trois jours. Peut-être on change un peu, mais on doit attendre. On a un entraînement maintenant à 4 heures et après on peut dire, dire qu'est-ce qu'on fait, mais on va avoir euh, une, une équipe très forte et c'est aussi nécessaire pour bon, ils ont gagné contre Bordeaux. Ce n'est jamais facile de, de, de recommencer euh, ou de, 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 de jouer des matchs, de jouer des matchs décisifs. C'est toujours une, une chose spéciale. Et pour ça, on doit être prêt. Mais on a, on a peu de temps pour, pour réfléchir, pour gérer des minutes et voilà, on décide ce soir. Bonjour Thomas, Loïc Tansier, MC Sport. Euh, Est-ce que la situation d'Enson Cavani et de Levin Klozava ont été réglées Est-ce qu'ils sont dans le groupe demain Non, pas de nouvelles, pas de nouvelles de tout. Et je pense qu'Eddie, elle n'est pas avec le groupe. Et je dois parler avec, avec euh, Levin maintenant, après, si elle est avec nous hein, ou non. Mais maintenant, ce pas de nouvelles. Bonjour, coach je Isabelle Gracien, Infosport 75. Euh, pour vous, euh, l'importance de la Coupe de France, vous êtes euh, donc demain, ce sera le, les huitièmes de finale de la Coupe de France. Comment vous abordez euh, cette, euh, ce match Honnêtement, pour nous, ça ne fait pas grand diffé de, de différence entre les matchs. C est, c est pas de grandes choses. Nous sommes toujours là pour gagner. On essaie toujours de gagner tous les matchs. Ce n'est pas une grande différence si on joue dans Coupe de France ou Coupe de la Ligue ou, ou Ligue 1 ou Ligue des champions. Nous sommes, nous sommes une euh, groupe fort, une équipe forte euh, qui, qui ont des objectifs. De, de gagner et on, on essaye toujours de, de trouver une performance euh, euh, qui est une performance que c'est ça suffit pour pour, pour gagner et c'est on, on approche cette match comme ça c'est toujours les mêmes choses tous les trois jours de jouer on doit on doit rester dans notre rythme et on ne fait pas de différence euh, avec des meetings ou avec des de réunions ou avec de, de, des choses comme ça. Non, on joue demain, c'est un, un match décisif, un match compliqué toujours. Euh, comme j'ai dit, un cinquième match extérieur, c'est exigeant, mais on va trouver une bonne équipe. Et J'espère vraiment qu'on va gagner. On veut, on veut gagner les coupes et pour ça, on doit gagner demain. Bonjour Thomas, Martin Bartoletti pour France Bleu Paris. Vous nous dites souvent que les 20 dernières minutes d'un match, il y a beaucoup de danger pour les, les blessures. Et pourtant, on a vu face à, à Reims ou, ou Lille que Neymar ou Mbappé sont restés jusqu'à la, à la fin du match. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ils ne sortent pas et est-ce que vous avez le sentiment de prendre un risque en les laissant sur le terrain oui, maintenant, ce n'était pas possible parce qu'on a, on a déjà, déjà euh, échangé euh, Thiago Abdou Diallo. Euh, et c'était nécessaire. On a, on a resté seulement un changement euh, tactiquement. Et on a, on a fait ça avec Ander Herrera et, et Mauro Icardi pour changer la le, le structure un peu. C'est comme ça, c'est notre décision, j'ai beaucoup de fois expliqué, on, on doit avoir plus de, de changements, on doit avoir 5 6 euh, joueurs pour changer, ça, ça ça peut aider, mais avec 3 joueurs et 11 joueurs jouent, qu'est-ce qu'on peut faire on, on, on doit rester 8 joueurs sur le terrain, c'est la seule raison. Si on a plus de dégâts gardes échangés, on peut changer plus. Si si on a seulement trois, on doit on doit on doit euh, faire une réaction. Qu'est-ce que le match demande Et, et si nous sommes si, 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 c'est obligatoire d'échanger de deux trois joueurs euh, blessés en avant ou des choses tactiquement Oui, mais et Kylian, ils ils doivent rester. c'est comme ça. Bonjour, Nicolas georges RTL. Euh, entre le calendrier, les matchs qui s'enchaînent et puis euh, également les, les conditions météo et l'état du terrain euh, annoncé euh, demain, mm -hmm. est-ce que ça vous amène à, à, certains, à laisser certains joueurs euh, au repos, à aménager certains, certains joueurs comme, comme Neymar ou comme Mbappé sur cette rencontre Peut-être, peut-être, parce que. Comme je dit, c'est le cinquième match extérieur. C'est seulement deux, deux jours entre les deux matchs, et pour moi, c'est aussi nécessaire. Parce on a fait un, un, un match très intensif à Lille. Je sais que tout le monde attend que qu'on gagne toujours, mais c'est toujours un grand effort. Et l'équipe a fait extraordinaire à Lille. Nous sommes la première équipe qui a gagné à Lille, et c'était un match très très intensif. Et si on veut faire un autre match intensif, demain, peut-être c'est nécessaire d'échanger de, de, de pour donner intensité. Et ça, c'est l'objectif. Ce n'est pas toujours l'objectif de laisser des gars à la maison ou de les laisser reposer, mais c'est aussi l'objectif de, de laisser d'autres gars jouer parce qu'il peuvent donner intensité ce qui est nécessaire contre contre tout le monde pour, pour gagner gagner oui des, les terrains ok on a, on a vu les, les terrains dans les télé contre bordeaux okay. on doit pas on doit pas parler de, de cette chose là oui. on doit adapter mais on, on, Ney et Kylian, ils sont capables de jouer sur ce, 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 un terrain comme ça. C'est toujours une, 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 une euh, décision difficile parce qu'on veut toujours avoir tout le, tout le talent et tout le potentiel sur le terrain parce que c'est aussi possible que Ney et Kylian décident des matchs comme ça. Euh, Peut-être le, le, dans les premières minutes, avec le, les premières actions, c'est possible. Euh, mais c'est aussi possible que, que c'était peut-être un match trop, trop intensif après, après le match contre Lille et des matchs en avant. On a fait quelques matchs très difficiles et avec beaucoup de stress, avec beaucoup de pression, une demi-finale contre Rance, le, le, le meilleur défense dans la Ligue, euh, un match dans, 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 dans Ligue 1 à Lille, la meilleure euh, équipe à, à domicile. Et voilà, c'est beaucoup, c'est beaucoup de, 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 de faire, toujours gagner. Pour ça, oui, on doit réfléchir, mais on doit attendre un peu. On doit avoir un sentiment pour les groupes, pour les joueurs, et après, on fait la, la décision après, après l'entraînement. Bonjour. Thomas, ça renouvelle vraiment l'équipe. Deux petites questions. La première, comment vous vous arrivez à, à maintenir vos joueurs motivés, concentrés, justement Il peut y avoir une lassitude quand on joue autant, et, et malgré toutes les précautions prises, ça c'est ma deuxième question euh, dans le management, dans le, la gestion des minutes. On voit quand même que malgré tout, il y a toujours des petits bobos, des petites alertes. Est-ce que vous vous sentez de, de, de par l'expérience passée, que vos joueurs sont peut-être un peu craintifs ou qu'ils ont peur dans la perspective de la Ligue des Champions, puisqu'on sait que le club a connu des problèmes médicaux par le passé avant, avant les grands matchs. Pour moi, on ne va pas trouver une équipe qui joue, euh, qui joue des matchs comme nous, dans janvier, février, sans blessure. On ne va pas trouver. C'est la vérité. Et si on ne reste euh, pas déchoué, si on ne donne pas euh, repos, si on ne donne pas une euh, préparation à des joueurs, j'ai dit beaucoup de fois, c'est le match pour, pour des joueurs et des spectateurs sont dans le stade pour des joueurs, mais si on ne protège pas des joueurs et si on fait un autre Coupe américaine, une, une, une euh, Coupe européenne et après Olymp euh, une, des, 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 des Jeux olympiques et après, après une... Euh, Coupe du monde pour 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 des équipes euh, pour des équipes et, et voilà on peut jouer 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 et les joueurs ils des blessures vont arriver c'est sûr c'est sûr et pour ça ça ne va pas changer et quand même on va faire tous on va gérer des minutes on va faire récupération on va on va protéger des joueurs, on va faire des, de, beaucoup de soins, on va faire traitement, on va contrôler, on va faire toutes les choses toujours pour minimiser, c'est un mot, minimise, c'est ça, ouais, minimiser des, des, des blessures et des petites, des petites choses. Nous sommes très très attentifs et oui, euh, et c'est toujours un mix entre entre toutes les choses. Si on veut jouer des mains encore. Euh, avec intensité, c'est possible et nécessaire de, de changer un peu pour donner des minutes, et donner aussi un défi pour, pour tout le monde qu'on qu peut montrer. On a on a confiance à tout le monde aussi dans un match euh, dans un match euh, décisif. Et voilà, on a laissé Contreras dans une dans une demi-finale, on a laissé Mauro et, et et Angel Di Maria sur le banc, et on a donné la confiance à, à Trax et Pablo Sarabia, et c'est bien comme ça. Ils ont, ont montré qu'ils sont capables. Et voilà, c'est comme ça. Les, les, les gars sont habitués de jouer, ils aiment de jouer, mais c'est oui, notre défi de, de gérer des minutes et pour la motivation. Enfin, ils sont, ils sont des de, de joueurs qui aiment de, de jouer toujours et qui aiment euh, la compétition. Et pour ça, ils, sont toujours, euh, ils, ils ont toujours la motivation. Mais peut-être c'est aussi nécessaire, après pour beaucoup de matchs, beaucoup de vols, beaucoup de mises au vert, c'est peut-être nécessaire de, de changer un peu pour... pour pour jouer frais et jouer avec une, une motivation que, parce que c'est nécessaire euh, pour demain. On ne peut pas jouer comme ça. Ça va être le, le, le match de, de vie pour, pour l'équipe de Pau. Et c'est comme ça, si, si, si on arrive avec PSG dans un match comme ça, ça va être compliqué. On doit montrer encore la euh, mentalité et, et le fond. La, 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 la capacité de, 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 de gagner euh, des jalanches Bonjour Thomas, Dominique Serac, le, le Parisien. Euh, Pablo Sarabia vous a rejoint cet été. Hum. Quel est l'apport principal selon vous C'est sur le terrain C'est sa mentalité C'est sa grinta C'est un apport plutôt technique ou un apport mental ou sous sa mentalité, il est super professionnel et les, les cours intensifs, ça, ça donne nous beaucoup d'intensité sur le terrain, avec le ballon, contre le ballon et sans le ballon. Si Ney tourne, si Angel tourne et il est sur le terrain, il est toujours là pour faire des courses agressives dans des espaces, dans le dos de, de la défense. Et ça, ce sont les meilleures choses qu'il apporte dans ce groupe. Et c'est super nécessaire. Il travaille toujours contre le ballon. Et voilà, il a, il a une, une dernière touche dans les surfaces. Excellent. Il est, il est très, très fort de, de marquer des buts avec une touche. Et ça, ça c'est très important pour nous. Et c'est bien parce qu'il est un, un, un grand facteur dans, dans ce euh, groupe-là. C'est un, un bon mix avec lui. Et il est très très fiable, un gars très humble et c'est bien. Ici, allez, bonjour Thomas, Alexis Hontan de l'AFP. Pour revenir justement sur les, la question des remplaçants, êtes-vous globalement satisfait par l'apport de votre banc durant cette saison et pensez-vous que le PSG est mieux fourni cette saison que par rapport à la, à la saison passée Merci. Oui, bien sûr, on a un groupe euh, très grand, mais je suis absolument convaincu qu'on a besoin absolument de euh, chaque joueur. Chaque joueur euh, pour obtenir notre notre objectif quelquefois il y a des il y a des des, des choix euh, difficiles il y a des choix euh, oui difficiles de faire pour moi mais c'est comme ça dans un club comme ça qui, qui veut toujours gagner qui veut toujours gagner toutes les compétitions c'est absolument nécessaire que qu'on a des, des un groupe fiable par, par exemple maintenant à Lille c'était un un grand, grand euh, impact. C'est l'impact de Herrera, de, de Tongi Kwasi et de Colan euh, euh, qui sont rentrés euh, pendant le match. C'était pas facile de rentrer dans un match comme ça, mais ils ont, ils ont eu un grand impact. Et, et sur le banc, c'était encore euh, Pablo Sarabia, c'était encore. Euh, Uh, Julian Draxler et je pense et Leo Paredes, trois joueurs uh, qui jouent pour pour, pour l'équipe nationale et, et ça c'est oui c'est dur pour eux mais c'est absolument nécessaire pour, pour pour nous pour pour avoir la la, la possibilité de toujours gagner. Et, parce que ça, c'est le meilleur, c'est le meilleure chose, chose pour le vestiaire, pour, pour l'état d'esprit dans les groupes et pour la concurrence, pour donner pression sur tout le monde qui joue. On ne peut pas lâcher parce que oui, on a beaucoup de qualités pour, pour remplacer et pour avoir un bon impact pendant les matchs. C'est super. Bonjour Thomas, Nicolas Payard d'InfoSport+. sport Plus. Vous avez dit que Pau allait jouer le match de sa vie. Oui. Qu'est-ce qui vous le fait le plus peur dans, dans cette équipe que vous avez dû analyser, euh, surtout le match face à Bordeaux Et une petite de, deuxième question est-ce que c'est Sergio Rico qui sera dans les buts demain ou pas euh, Honnêtement, je pense, mais je ne suis pas sûr. On, euh, on doit euh, parler avec, avec notre euh, euh, entraîneur des Gardiens et avec les deux, deux Gardiens, mais je pense que Sergio va jouer demain. Euh, et des pauvres. C'est une équipe qui joue euh, dans, dans, dans la ligue. Ils il jouent très offensifs, très agressifs, dans un 4-3-3. ils sont. Euh, J'ai eu l'impression contre Bordeaux qu'ils croient vraiment avec chaque minute que ça, 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 ça peut venir. Et ils il savent bien que ce terrain, c'est n'est pas un avantage pour nous. Mais ce n'est pas une excuse, nous sommes là pour, pour gagner. Et peut-être le plus difficile, c'est la situation. C'est la situation qu'ils n'ont rien de perdre. Mais oui, on a la qualité de gagner, c'est clair, mais on n'a rien de, de gagner. Si on gagne, tout le monde va dire Ok, mais vous êtes péché, c'est beau, ok. Mais ils ont euh, chaque challenge, chaque challenge va qui qu'ils gagnent chaque chaque ballon qu'ils peuvent récupérer, c'est comme une petite victoire et ça peut créer une une, une atmosphère spéciale euh, pour faire des choses un peu plus compli compliquées. Et pour ça, c'est nécessaire que on que nous sommes préparés pour les pour les pierres. Mais on peut faire des choses euh, pour, pour les plus difficiles. On, on doit préparer pour pour des situations plus difficiles. Si on peut trouver des choses, des des des, des solutions faciles, si des choses, si on peut régler des choses très vite, très de, très vite, ok, c'est bien. Mais on doit être préparé pour un match dur, serré, pour un, pour, pour un combattre contre contre une équipe dans dans la coupe. C'est comme ça. C'est c'est pas grave. C'est aussi nécessaire qu'on n'attende pas trop de nous, qu'on n'attende pas trop notre meilleur match et des choses absolument extraordinaires. Si des choses arrivent, ok, nous sommes contents, mais si on, on, doit, on doit jouer sérieux, on doit faire ce qui est nécessaire de gagner et pas attendre trop pour ne pas être énervé sur le terrain. Ce n'est pas le moment. Non, non, on doit jouer calme. with tranquility, with quality, with intensity, and very, very serious. welcome back then, the coach, uh, ombre, talking about tomorrow's match against paul a side who will be playing the match of their lives, according to the coach. and, of course, Oui, c'est vrai. Euh, le coach vient de finir cette conférence de presse. Il l'a dit. Ce qu'il veut, c'est gagner. Pau, c'est gagner cette compétition par tous les moyens. Il faudra être motivé sur le terrain, donner une belle mentalité. Mais ça passera aussi par quelques changements, et notamment parce qu'il y a quelques absents à signaler. C'est vrai que Marquinhos ne sera pas là. Il est toujours euh, forfait. Tout comme Thiago Silva et, et Juan Bernat. Exactement. One who was out here training a little bit earlier, mm. so juan bernat, still with that calf problem, is sidelined, mark quinios, who was injured in the in the second to last match, and is sidelined at the moment. and then thiago silva, who came off at halftime against lille, mm -hmm. um, just as a precaution, more than anything, not oui. taking any risks. Il but perhaps exactly tomorrow's match just coming a little bit too close. otherwise, the news, directly related to tomorrow's game, is that probably, and the coach not 100% sure just yet, but that sergio rico, will normally be in goal the Spanish number 2 goalkeeper at Paris Saint-Germain looking to continue his cup run where Oui, c'est vrai que le coach l'a dit, alors il faut qu'il voit encore avec le coach des gardiens évidemment qu'il qu en parle, mais a priori, ça devrait être Sergio Rico qui devrait occuper les cages parisiennes. On peut également s'attendre à quelques changements, il l'a dit, le coach, parce que c'est le cinquième match à l'extérieur consécutif pour le Paris-Saint-Germain, parce que ce sera sur le terrain de Pau qui promet d'être difficile. Mm -hmm. euh, voilà, donc il y, y a beaucoup de conditions parce que les joueurs aussi ont besoin de se régénérer, parce qu'il faut laisser du temps de jeu à d'autres. Il a par exemple cité uh, Draxler et Sarah qui ont évolué lors du dernier match. Euh, le, ce dernier étant particulièrement très décisif d'ailleurs dans le cadre de la Coupe de France. Donc mm -hmm. on verra, on peut s'attendre à un petit remaniement. D'ailleurs, quand on parle de joueurs, il y en a un qui devrait se présenter dans quelques secondes tout à l'heure en conférence de presse. Donc restez avec nous. Colin Dagba va euh, être questionné par les journalistes. Exactement. Colin Dagba est venu dans quelques moments pour sa conférence de presse. Avant, nous allons continuer à discuter de ce que le coach had to dans sa conférence. press conference and uh, ombre taking on this post side. We've spoken a lot about the pitch, but the Paris Saint Germain players are getting used to playing on these tough pitches. We had Lorient wasn't a great pitch. Before that, Linus Montlery wasn't a great pitch. There was also Rouse in the cup semi-final as well, which was a very difficult pitch as well. Mm -hmm. The players are getting very much used to this. Perhaps more difficult, and the coach uh, spoke about that as well. Is these tomorrow will be a fifth away match in a row. How that's aeroplane, that's flights, everything that takes it out of the players, and it's not easy for the players to keep backing up, playing so much football. And he rest assured, he and his staff are doing everything to avoid. Any little niggling injuries with players. Oui, c'est vrai que cinq matchs consécutifs à l'extérieur, c'est toujours difficile dans la gestion, surtout mm. quand ça se passe en l'espace de deux petites semaines. Euh, voilà, il faut gérer les déplacements, évidemment, il faut gérer les soins, il faut gérer les petits pépins physiques, comme il l'a dit, par exemple Thiago Silva, c'est un, mm. une petite alerte. Ce n'est pas une grosse blessure, mais il faut gérer, il faut prendre soin des joueurs parce que c'est exigeant à la fois physiquement, mentalement aussi, parce qu'il a par exemple, pris l'exemple du dernier match face à Lille ou les matchs face à l'Orient ou Rhin, ce sont des matchs où il faut mettre beaucoup d'intensité pour contrecarrer les plans adverses. Contre Lille, eh bien, le Paris Saint-Germain s'est imposé 0 à 2, mais en revanche, c'était difficile. On va vous laisser, on laisse le coach répondre, pardon, aux questions. On vous retrouvez juste Colin après. Ah oui, pardon, c'est Colin Dagba. Bonjour Colin Daba, Isabelle Gracia Infosport Sport 75. Est-ce que votre dextérité sur le terrain euh, pour vous, euh, par rapport à votre gabarit léger, est-ce que c'est un avantage Vous pouvez répéter s'il vous plaît, je n'ai pas entendu le début de la question. Votre agilité sur le terrain, est-ce que par rapport à votre gabarit léger, pour vous, est-ce que c'est un avantage Après c'est sûr que c'est un avantage dans certaines situations. Après, défensivement, par exemple dans les duels aériens, ça peut être... Euh, ça peut être un point négatif pour moi, mais après, ça me permet d'avoir un côté un peu rapide, vif, et je peux me sortir de certaines situations où je suis sous, sous pression, donc c'est vraiment un avantage pour moi. Bonjour, Dominique Serac, le, le Parisien. Colin, parfois vous enchaînez, parfois vous n'enchaînez pas. Est-ce qu'on se prépare différemment quand on joue un match sur 5, un match sur trois Est-ce que ça change la, la préparation, l'entraînement, le mental, l'approche du match euh, non, ça change pas parce qu'on ne sait jamais quand on va jouer. Après, moi, je me tiens toujours prêt à l'entraînement. Je me donne à 100 parce que je ne sais pas si le lendemain je vais jouer, donc euh, je viens toujours à 100 Si j'enchaîne, c'est bien. Si j'enchaîne pas, je vais continuer à travailler à l'entraînement pour pouvoir jouer le prochain match ou trois matchs après. Donc, euh, ma, ch ma préparation ne change pas. Bonjour Colin. Sur quels aspects justement de ton jeu travailles-tu le plus cette saison Sur quels aspects veux-tu progresser le plus Merci. Euh on va dire défensivement parce <coughs> Pardon. défensivement parce que c'est le point le plus important chez un défenseur. Après j'essaie d'être plus proche du porteur, parce que je sais que l'année dernière c'était un peu un, un défaut. Euh, plus harceler mon porteur, euh, laisser le moins d'espace possible. Après euh, offensivement on va dire je vais essayer de travailler euh, les derniers mètres. Euh, essayer d'être plus décisif encore. Euh... Et pourquoi pas marquer un but parce que ça fait quand même un an et demi que je l'attends et j'aimerais marquer avec, avec le Paris Saint-Germain. Bonjour Colin, Loïc Tanzir, MC Sport. Euh, tu as signé ton premier contrat pro ici à, au PSG, tu es un titi euh, du Paris Saint-Germain. Tu fais partie de ceux qui, ont le, qui, ont, qui sont patients pour essayer de faire leur trou au PSG. Euh, Est-ce que tu essayes de, de convaincre du coup, Tanguy et Adil de, de signer aussi au, au PSG hein, avec ton expérience, toi qui, qui as fini par signer ici après, c'est sûr que j'aimerais qu'ils qu restent au Paris Saint-Germain. Après, c'est pas, pas de mon ressort, c'est eux, leurs agents, le club. Après, euh, c'est sûr que moi, j'ai été patient. Après, euh, j'ai eu ma chance et eux aussi, ils l'auront, je pense. Ils ont quand même pu jouer en Coupe de France, euh, Tanguy en Ligue des Champions, en Ligue 1, donc euh, ils ont eu leur chance. Le coach, il montre qu'il confi qu a confiance en eux. Donc, euh, ouais, c'est vraiment une marque de, de confiance et ça serait bien qu'ils poursuivent l'aventure avec euh, Paris. Colin, bonjour, Nicolas Paillard d'InfoSport Plus. Est-ce que vous trouvez que l'équipe est plus en forme au même moment que euh, par rapport à l'année dernière Elle est plus apte à, à aborder cette dernière ligne droite de la saison Plus en forme, je ne sais pas, mais on sent vraiment euh, depuis quelques mois euh, vraiment une grosse cohésion d'équipe. On enchaîne vraiment bien les matchs. Euh, là on a enchaîné beaucoup de victoires de suite et je nous sens vraiment prêt pour, pour enchaîner cette deuxième partie de saison. Bonjour. Martin Bartoletti pour France Bleu Paris. Vous l'avez sans doute vu en photo, la pelouse du, du stade du à Apo est, est catastrophique. Ils ont rajouté du sable vert pour faire un petit peu illusion. Qu'est-ce que ça vous inspire en tant que joueur et comment on s'adapte sur un terrain pareil euh, Je viens juste de la voir il y a une heure, la pelouse. C'est vrai que ça va être compliqué demain. Après, eux aussi sont dans, cette, dans la même optique que nous avec ce terrain compliqué. Donc il euh, va falloir euh, tout donner demain, rien lâcher après c'est pas c'est pas une excuse le terrain parce que aussi ils ont, ils, ont, ils ont le terrain qui est qui est qui est pas top euh, pour demain. Après on sait que le match il va être compliqué parce qu'ils ont sorti Bordeaux euh, au tour précédent et les matchs de coupe c'est vraiment des matchs, euh, des matchs compliqués, les équipes elles donnent tout sur un seul match donc il euh, va falloir être prêt demain. est-ce qu'il y a d'autres questions Welcome back, then, after Colin Dagbar's press conference. Then, always short and sweet, to the point with Colin Dagbar. He's not the most talkative of the Paris Saint Germain players, but always honest and good answers as well. And the first thing to really take from that is that Colin is enjoying his life at Paris Saint Germain. He feels very happy to be here, like what he told us before the press conference before the coach he was here for five minutes Colin and looking forward to continuing the adventure with Paris Saint-Germain as long as possible he's still learning defensively that's where he sees that his game has to continue to improve it's the most important thing for a defender exactly which is which is what he said and uh, Colin looking forward to a big cup game tomorrow where hopefully, Il va continuer à ces minutes. Oui, c'est vrai que Colin Dagua le dit de toute façon. Il a également parlé de son rythme. C'est vrai qu'il a été interrogé sur le fait de ne pas disputer tous les matchs. Et il l'a dit euh, qu'il dispute un match. Sur deux, un match sur trois, peu importe. Colin Dagba, il est toujours à 100 Il est toujours prêt, il se donne toujours à fond pour être disponible sur le terrain et travailler pour progresser. Ce sera un match difficile sur un terrain difficile, mais ça n'est pas une excuse, a dit le Titi parisien, parce que les adversaires, les Palois, vont disputer le terrain avec les mêmes ambitions, gagner, jouer le match de leur vie, c'est ce qu'a dit Thomas sorol, sur ce même terrain un petit peu miné. Donc on rappelle que ça se passera d'ailleurs du côté du stade du Hameau pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de France. Exactly, the 16 e of the Coupe de France coming up tomorrow night. 1830 uh, kick-off time so a little bit earlier than we have been playing recently in the coupe de france 6.30pm kickoff time in pau so uh, an important match for paris saint-germain looking to continue this cup run as colin said as the coach said as well a difficult pitch mm. doesn't change anything it doesn't change who will play either the coach said that as well when a question was asked do you look to not play the likes of neymar or Kylian in this type of match they can play on any pitch said the coach and they can make the difference in the third minute, as they could in the 89th minute of a match on a difficult pitch or otherwise. And perhaps anything, it's a shame we couldn't have a word to the coach before the press conference because perhaps anything, the state of the pitch doesn't necessarily change which players he mm. decides to play, um, but more the tactics or the idea or how you have to play on a difficult pitch where it's not as easy to dribble, where it's not your first touch is more difficult to take. And perhaps that uh, is, is something that would change in the mentality. But the pitch is the same for both sides. Paris Saint-Germain va taking on une troisième division en Pau et get the win. Oui, c'est vrai. Comme Roby le précise, c'est vrai que ce terrain, bon, déjà, ce sera le même pour les deux équipes, donc il faudra s'en accommoder, il faudra s'adapter à, à répéter le, le coach allemand, mais en revanche, ça peut changer des choses tactiquement et en termes de management. Tactiquement d'abord, parce que forcément, euh, ça n'est pas forcément des terrains qui, qui sont favorables au jeu, au jeux de transition notamment, aux passes rapides, etc. Ça n'empêche qu'il y aura beaucoup d'intensité et que pour cette intensité, eh bien, il peut y avoir des changements dans le groupe. Et là, on vient sur le management. Thomas Tourelle l'a dit. Et il y a des joueurs non seulement qui ont envie de se montrer, des joueurs qui ont envie de jouer, et puis il y en a d'autres, même si le coach n'aime pas forcément parler de repos, qui vont peut-être devoir en profiter pour souffler un peu parce qu'il y avait déjà un match très intense disputé du côté du stade Pierre-Mauroy, Roby. Exactly, that game against Lille took out a lot of energy out of the mm. Paris Saint-Germain players. But I think, Ombre, oh, that's exactly right. That was the most positive message to come out of the coach's press conference: was the fact that it's not. talking about leaving people and resting players well, and letting people not play it's about giving those who want to play mm. their chance as well and important minutes as well because you not only need to rest certain players more importantly you need to make sure everyone's ready to go which means you need to give minutes to other players who can offer something different as well who can offer impact intensity mm -hmm. and freshness as well in their play so that's another thing that the coach said just before we go because it's time to time to move on it wouldn't be uh, uh, our pre match press conference or post match press conference wrap up without a couple of little statistics, Ombre, which we know about uh, about Paris Saint Germain versus Po. They have played once before oui. in history in a competitive match. It was at exactly the same round mm. of the Coupe de France back in 1998 when we know that Paris Saint Germain went all the way to winning the Coupe exactly. de France at the Stade de France as well. It was a 1 0 victory, but it came after extra time. paris saint-germain were pushed all the way and it was a goal from. Rai. right that's right <laughs> the capitaine Rai. Oui. now brazilian so importantly there pau who defeated bordeaux 3-2 another league outside in the last round so we know they're going to be a tough opponent. c'est vrai que Roby le rappelait on fait un petit retour en arrière on rembobine. la seule et unique fois que ces deux équipes se sont rencontrées dans l'histoire eh bien c'était dans le cadre de la même compétition mm. la coupe de france au même stade, les huitièmes de finale, c'était en 1998, à l'époque, les rouges et bleus s'étaient imposés sur le score de 1-0, avec un but du capitaine Rail en effet. Mais cette saison, on va essayer de, de poursuivre l'histoire, de poursuivre également, Thomas Tourol l'a dit, le, cette compétition, et l'objectif évidemment, c'est de la gagner, ça passera par une victoire, pour l'instant, tous les feux sont ouverts. le Paris-Saint-Germain n'a plus perdu le moindre match depuis 17 rencontres, toutes compétitions confondues, c'est simple, dans cette, dans cette Coupe de France, eh bien, ils ont marqué un but, je m'étais noté sur les 42 dernier match robin. Mm -hmm. C'est absolument ahurissant et il reste en sur de France. Et oui, oui, juste en Coupe de France, il reste sur trois clean sheets toutes compétitions confondues. Mm -hmm. Pour l'instant, les signaux sont plutôt favorables. There are plenty of excellent voilà. statistics. Trois clean sheets in a row. three assists in three consecutive matches in Ligue 1 for Marco Verratti as well est in 2020, which is a nice statistic since we like things mm -hmm. by threes. but that's it. Paris Saint-Germain looking to continue their 17 game unbeaten run. looking for number 18 tomorrow against Pau looking for a 13th Coupe de France triumph as well having scored in their last 42 Coupe de France matches if they can win the Coupe de France this year a record 13 titles <laughs> it kicks off tomorrow in Pau 18:30 local time here in France That's it from me, Robbie Thompson, and... Ambre Godillon, bien sûr. On vous souhaite à tous un très très bon match. On se donne du coup rendez-vous du côté du stade du Hameau et on vous laisse sur ces belles paroles. Salut. We'll see you in a bit at 4 pm <laughs> for live training coming up. Stay with us.